fantastique. La neige n'a pas l'air de tenir beaucoup. Tu l'as dit. Nous allons pouvoir continuer notre route avec les canoës. Mais il va faire nuit. L'été dans le nord, toute la nuit, le ciel reste clair. Oh, oh. C'est vrai. Je vois beaucoup de gens sur la rive, est-ce possible? Tu attires toujours beaucoup de monde. Il y a les Ingalik et les Oligachuk. Ils ont fait un long voyage. Je suis Arnatoak, chef de ce village. Je suis Pocahontas, je viens vous apporter un message. Avec moi, il y a les chefs de plusieurs tribus. Quelques-uns viennent même de terres lointaines. Bienvenue. Merci à tous, merci pour cet accueil dont je suis très honoré. Lui, c'est Inuk, il vient d'une île qui se trouve entre notre grande terre et la terre qui est de l'autre côté de la grande eau. Je suis content de te rencontrer, Pocahontas. Moi aussi. Et lui habite la terre de l'autre côté de la grande eau. Mais je suis heureux de t'offrir ce cadeau. Quel beau manteau! Et moi aussi, je viens de loin. Je viens d'une île de l'autre côté de la terre, vers le soleil levant. En effet, Mute a voyagé pendant 3 longs mois pour venir t'écouter. Tu es courageux. Tu as vu ce continu. Et il va tous nous les présenter, il y en a encore pour un moment. Respecte la tradition. Oui, mais qu'on respecte notre santé. Je crois que vous avez raison, vous devez être fatigué. Non, non, tout va bien. Écoute, on est esquinté, affamé et on a froid. Je te propose qu'on aille parler devant un grand feu. Ils ont raison, s'il y en a encore 50 qui doivent défiler. Très bien, allons sous la tente. Vous devez nous aider. Nous avons des ennemis, mais nous ne les connaissons pas. À plusieurs reprises, ils nous ont fait attaquer pour nous empêcher de continuer notre voyage et pour nous empêcher d'aller porter la parole du Grand Esprit. Ah!